Nous allons commencer. Donc, j'invite les plaideurs de l'équipe de Reims à venir nous présenter leurs arguments. Je vais mettre vos chronos. Vous pouvez bien entendu rester assis et seul celui qui parle se lève. Il n'est pas obligé d'être debout tout le temps. Alors, eh bien, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le membre du tribunal. Le 3 mars 2016, la société Laudare a fait une demande d'enregistrement de la marque verbale Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whisky auprès de l'OIPO. Le 15 juin, The Whiskey Spirits Council a formé une opposition contre la demande d'enregistrement de cette même marque. Cette demande a dans un premier temps été rejetée, puis accueillie. Dans la présente affaire, nous reprochons à la partie défendresse d'avoir violé les règles de procédure du tribunal de l'Union européenne en représentant The Distilled Spirits Council en qualité de défendeur. Selon l'article 172 du règlement de procédure du tribunal, les requêtes sont formées contre l'office en qualité de défendeur. The Distilled Spirits Council ne doit donc être intervenant au litige et la défense doit être rejetée. Nous reprochons également à l'office d'avoir accueilli l'opposition de The Distilled Spirits Council alors même qu'il a agi contre l'enregistrement de la marque litigieuse sans en avoir le droit. En effet, au regard des textes invoqués par la partie défendresse, aucun ne lui confère le droit d'ester en justice. En effet, l'accord sous forme de lettre ne contient aucune disposition permettant au titulaire de la dénomination géographique d'interdire la dénomination bourbon. L'accord ayant une portée large, il ne s'est pas auto-exécuté et ne peut être invoqué comme fondement de la qualité à agir. En ce qui concerne le règlement numéro 936-2009, ce dernier consacre le principe de reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses. En l'occurrence, cela implique qu'un État membre ne peut interdire ou restreindre l'accès à son marché à un produit légalement mis sur le marché des autres États membres. Ils doivent se borner à établir les exigences essentielles auxquelles doit répondre ce produit pour être admis à circuler librement sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. En cas de violation de ce principe, le dépendeur peut agir sur ce fondement. Il faut cependant constater une violation des normes d'identité du bourbon, ce qui n'est pas le cas en espèce. Le fondement est donc invalide. Le règlement sur la marque européenne, quant à lui, confirme que seules les personnes ayant un intérêt directement reconnu par la législation à engager une procédure sont habilités à former opposition. Ici, le fait qu'une législation nationale donne effet à un accord bilatéral n'est pas suffisant pour conférer un droit subjectif permettant d'interdire l'usage. Il ne peut donc être invoqué par le défendeur. Enfin, en ce qui concerne le règlement 110-2008, la protection éventuelle de ce dernier suit un régime différent et indépendant du règlement numéro 936-2009. Contrairement à ce qui peut être invoqué par la partie défendresse, l'article 24, paragraphe 1, n'entraîne pas l'applicabilité entière du règlement sur les boissons spiritueuses. Le règlement a seulement vocation à s'appliquer aux indications géographiques reconnues par le droit européen ou celles en voie de reconnaissance par la procédure d'enregistrement. Le défendeur n'est pas fondé à agir car les sources internationales et européennes qui sont invoquées ne lui donnent droit à interdire l'usage de la marque. L'applicabilité du règlement sur les boissons spiritueuses a d'ailleurs été revendiquée au motif que la dénomination est qualifiée d'indication géographique. Madame la Présidente, Monsieur le membre du tribunal, lorsqu'une dénomination est conforme à la définition d'indication géographique, cette dernière doit être enregistrée à l'annexe 3 du règlement ou figurer sur la base de données e-Ambrosia. Ainsi, toute indication qui n'y figurerait pas ne peut être reconnue comme étant une indication géographique au sens du droit de l'Union européenne. Il ressort du cas d'espèce qu'aucune demande n'a été adressée à la Commission européenne. Le règlement ne prévoit aucune exception à cette procédure d'enregistrement. En l'absence d'une demande de la part des États-Unis d'enregistrement de la dénomination Bourbon en tant qu'indication géographique selon le droit de l'Union européenne, cette dénomination ne peut donc être reconnue comme telle. L'Office a confirmé cette interprétation. En effet, le motif de refus absolu d'enregistrement d'une marque n'a jamais été soulevé. En ne relevant pas ce fondement juridique de motif absolu de refus, l'Office a implicitement considéré que la dénomination Bourbon ne pouvait jouer de la protection indication géographique. Le motif relatif de refus n'intervenant que dans le cadre de procédures inter partes ne trouvant leur fondement
que dans des conflits probables avec des droits antérieurs, ils ne peuvent se substituer au motif absolu de refus et ne sont que subsidiaires. L'Office a alors justifié son argumentation sur le mauvais fondement juridique. Enfin, la perception du public sur une dénomination d'un État tiers est très importante pour la reconnaissance de la dénomination en tant qu'indication géographique selon le droit de l'Union européenne. Le consommateur moyen européen comprend le bourbon davantage comme une recette, une méthode d'élaboration, plutôt que comme ayant des caractéristiques liées à son origine. Ici, l'origine géographique est stricto sensu et secondaire pour la reconnaissance de ce produit. Pour preuve, de nombreux supports existent et permettent de différencier les différents types de whisky européens, tels que le scotch, avec le bourbon whisky. En mettant l'accent sur l'origine et l'élaboration du bourbon whisky, cela montre bien que ces éléments sont inconnus du consommateur européen. Il est donc raisonnable d'affirmer que le consommateur moyen européen n'établira pas un lien direct entre le bourbon whisky simplement s'il n'y a pas d'autres informations avec les États-Unis d'Amérique. Il ressort de tout ce qui a été exposé que la dénomination bourbon ne peut être raisonnable entendue comme étant une indication géographique au sens du droit de l'Union européenne. La Chambre de recours, dans la décision attaquée, considère que la marque litigieuse crée une évocation à la prétendue indication géographique bourbon. Cet élément va vous être exposé par mon confrère Maître Bourgeois. Madame la Présidente, Monsieur le membre du Tribunal, nous contestons cette affirmation qui ne se fonde sur aucune règle établie par le droit de l'Union européenne. En effet, l'article 8, paragraphe 6 du règlement sur les marques de l'Union européenne fait référence aux règles de l'Union renvoyant au droit et à la protection des indications géographiques. A ce titre, il renvoie bien à l'article 23 du règlement 110/2008. Cet article 23 est relatif aux relations entre les indications géographiques et les marques. Cet article précise que l'indication géographique peut être enregistrée selon le droit de l'Union européenne et qu'il doit y avoir une situation visée à l'article 16 pour que la marque soit refusée. L'article 16 du règlement 110/2008, relatif notamment au cas de protection des indications géographiques contre les cas d'utilisation directe ou d'évocation, n'est applicable qu'aux indications géographiques enregistrées à l'annexe 3 du règlement 110/2008 ou figurant sur la base de données e-Ambrosia. A l'inverse, il n'y a aucune vocation à s'appliquer. Le bourbon whisky ne figure sur aucune de ces deux bases. Les situations visées par cet article entraînent un refus de la marque demandée dès lors que les conditions de l'article 8, paragraphe 6 du règlement sur les marques de l'Union européenne sont remplies, à savoir notamment une indication géographique reconnue et enregistrée selon le droit de l'Union européenne une nouvelle fois, et un risque avéré d'une situation de l'article 16 précité. En l'espèce, les dénominations litigieuses n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'enregistrement selon le droit de l'Union européenne pourront être reconnues en tant qu'indication géographique, mais ne peut se prévaloir de son régime juridique. La marque ne peut donc être refusée sur ce fondement. L'Office en a donc fait une application non conforme. Par ailleurs, l'OIPO a considéré qu'il y avait un cas d'évocation par rapport à l'article 16, paragraphe B du règlement 110/2008. Le signe évoquerait le bourbon provenant des États-Unis d'Amérique, notamment par l'utilisation du terme Kentucky. Rappelons que l'OIPO considère l'évocation dès lors que le consommateur moyen est une image de référence du produit, celui couvert par l'indication géographique. Cela suppose donc que le produit visé ne respecte pas les conditions d'élaboration, le cahier des charges de l'indication géographique utilisé, et ce dans un but d'attirer le consommateur. La marque demandée entendra donc user de la notoriété. Or, il faut tenir compte de l'attente présumée de son consommateur moyen, c'est-à-dire normalement informé et raisonnablement attentif. Comme expliqué précédemment, celui-ci ne connaît que très peu la différence entre un bourbon whisky et un whisky de type européen tel que le scotch. Ainsi, il ne perçoit pas le terme bourbon comme une indication géographique, mais tout au plus comme une indication de provenance géographique simple, pour un produit ayant suivi un processus d'élaboration différent des whisky européens. C'est d'ailleurs en ce sens que le terme Kentucky est utilisé, afin que le consommateur puisse cibler géographiquement l'origine du produit. Le terme bourbon ne renvoyant pas de manière précise aux États-Unis, qui plus est encore au Kentucky, à la différence de l'Irish ou du Scotch whisky, qui renvoie à son pays d'origine. En achetant le produit de la marque contestée, le consommateur s'attendra pour autant à ce que celui-ci soit conforme aux réglementations américaines. Cela n'est en espèce pas expressément contesté par l'opposant, et surtout ni démontré et approuvé par la Chambre de recours. On peut donc affirmer que la marque demandée serait apte à intégrer la dénomination litigieuse, puisque celle-ci ne constitue pas une indication géographique selon le droit de l'Union européenne, et que les conditions d'utilisation par la réglementation américaine sont respectées. De plus, selon l'Office, ce sont les termes « bourbon whisky » qui créeraient obligatoirement l'évocation, et non pas les termes « Kentucky » qui seraient un support à celle-ci. Or, cette reprise à l'identique de la prétendue indication géographique constitue davantage un cas d'utilisation commerciale directe au sens de l'article 16, paragraphe A du règlement 110, qu'un cas d'évocation au sens de son paragraphe B. L'Office refuse ce fondement au motif que le produit litigieux n'est pas comparable à ceux de l'indication géographique prétendue.
Or, dans les deux cas, il s'agit de whisky, qui plus est de whisky bourbon, en l'absence de preuve contraire. Rappelons que selon une jurisprudence constante, toutes les boissons spiritueuses sont jugées comparables pour le consommateur européen. L'article 16, paragraphe A, tout comme son paragraphe B, s'applique en cas d'irrespect du cahier des charges. Encore une fois, cela n'est pas démontré. En refusant d'appliquer cette clause sans argumentation juridique fondée, on peut donc considérer que le produit marqué et le produit de l'indication géographique prétendue sont identiques. Enfin, l'expression Kentucky Straight Bourbon Whisky, qui est fréquemment utilisée par les producteurs de whisky américains, forme un ensemble logique et conceptuel qui sera appliqué sur un produit identique à ceux exigés par la réglementation américaine. L'évocation ne peut donc être valablement retenue, puisque comme la Cour l'a récemment rappelé dans son arrêt Manchego, il est possible pour un produit d'évoquer une indication géographique dès lors que celui-ci lui est conforme. Ainsi, l'absence d'enregistrement de l'indication géographique au sens de l'Union européenne et le respect du 27 CFR 5.22 entraînant la non-application de l'article 16, le refus de la marque ne peut se faire que sur les conditions de descriptivité ou son caractère non distinctif, si ceux-ci sont prouvés. Ainsi, l'indication de provenance simple bourbon ne peut être protégée qu'indirectement à travers la marque. Selon le règlement sur les marques de l'Union européenne, seuls les signes propres à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre peuvent être enregistrés en tant que tels. En l'espèce, aucune autre marque de bourbon whisky n'utilise les termes Lucky Lasso comme marque. Les marques peuvent faire l'objet d'un motif absolu de refus, vu comme précédemment, selon l'article 7 du règlement sur les marques de l'Union européenne. La distinctivité n'implique pas que la marque soit nouvelle ou encore créative. Il faut juste que le signe soit arbitraire. Ici, il est reproché à la marque de ne pas avoir un caractère suffisamment distinctif. En l'espèce, les termes Lucky Lasso donnent une identité propre au produit qui permettrait au consommateur de pouvoir l'identifier. En effet, les termes ne peuvent être considérés comme descriptifs puisqu'ils ne font pas référence à un type de whisky mais plutôt à un type de corde avec une boucle coulissante. Étant placés au début de la marque, ils permettent une identification rapide par le consommateur. Le caractère dominant des composants s'apprécie en les comparant aux autres composants. Ainsi, la position relative peut être prise en compte, et le caractère distinctif faible d'un tel élément n'implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant quand sa position dans le signe est susceptible de s'imposer à la simple vue par le consommateur. L'ensemble de mots Lucky Lasso est visuellement frappant, et donc dominant puisqu'il est situé au début de la marque, comme dit précédemment. Selon une jurisprudence constante, l'attention du consommateur sera portée sur ses premiers termes plutôt que sur les derniers. De plus, il est usuel dans le commerce des spiritueux, et particulièrement du whisky, d'indiquer la région de provenance. Par ailleurs, conformément à une autre jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la référence à l'univers de l'indication géographique n'est pas illégale. Ainsi, il n'a pas été remis en cause que le produit ne respecterait pas les conditions de production du bourbon whisky et donc ne prendrait pas des États-Unis. En ce qui concerne la déceptivité de la marque contestée, nous constatons qu'aucun élément relatif à une dénomination géographique déceptive n'a été soulevé. En effet, l'opposant s'est borné à invoquer l'irrespect de la prétendue indication géographique bourbon pour aboutir au refus de la demande d'enregistrement. L'enregistrement d'une marque dite géographique dans l'Union européenne n'est pas interdite, elle est seulement conditionnée. L'Union ne s'oppose pas à l'enregistrement d'une marque dite géographique dès lors que celle-ci n'est pas composée d'une indication géographique ou d'une indication de provenance. En l'espèce, le terme bourbon n'entre dans aucune de ces catégories. Le terme bourbon peut être qualifié de terme géographique puisqu'il est le nom d'un comté du Kentucky. Cependant, ce comté reste inconnu du public pertinent. Historiquement, le terme bourbon a été attribué au whisky américain en hommage de la famille française, les Bourbons. Il n'existe donc aucune attache géographique historique qui soit connue du public pertinent pour ce terme. A l'inverse, il fut utilisé comme mot renvoyant à une méthode d'élaboration, une recette du whisky qui n'est pas liée à l'origine géographique. De plus, comme le souligne la réglementation américaine, le bourbon renvoie à un whisky produit sur le sol américain. Il n'y a donc pas de rattachement particulier à un État américain. Le terme Kentucky, quant à lui, n'est qu'une référence au lieu de production du whisky marqué. C'est une information pour le consommateur, qui lui permet de distinguer le produit marqué d'un autre. Ça lui permet d'orienter son choix face à l'achat. Le terme Kentucky est donc indispensable pour aider le consommateur à rapidement faire son choix et à distinguer le produit. Les produits étant conformes à la réglementation américaine, ils sont légitimes à utiliser les mentions bourbon et straight bourbon dans leur dénomination.
La marque demandée répond ainsi aux exigences européennes et doit être enregistrée. Nous demandons, Madame la Présidente, à ce qu'il plaise au tribunal d'annuler la décision portant refus d'enregistrement de la marque et de condamner l'office aux dépens. Merci beaucoup. Vous avez respecté le temps, c'est parfait. Nous allons maintenant entendre l'équipe de Bordeaux. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le membre du jury, la procédure se moque des effets de manche. Avant toute chose, nous avons le regret de soulever l'irrecevabilité des conclusions de la partie adverse qui, au mépris des règles précises de l'article 2 du règlement du concours et de l'article 130 paragraphe 1er du règlement de procédure du tribunal de l'Union européenne, n'a pas daigné nous signifier ses conclusions à temps. Je ne vous demande pas la simple sanction d'un texte, car je sais que le tribunal a la possibilité de rejeter une irrecevabilité. Je vous demande beaucoup plus. Je vous demande la sanction d'une déloyauté qui ne mérite aucun pardon. En outre, nous sommes contraints de mettre en évidence une triste erreur matérielle commise dès la première page des conclusions de la partie adverse. Celle-ci affirme en effet être contre l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, EUIPO. Or, la société UAB Laudard ne plaide pas contre la bonne personne, ce qui, on en conviendra, conduit inexorablement à son irrecevabilité. Si par impossible, le tribunal estimait qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'irrecevabilité de la procédure engagée, il estimera, en toute hypothèse, que les erreurs commises sont annonciatrices de désordre. En effet, c'est la même approximation que l'on retrouve dans les arguments développés. Il est d'abord reproché à notre client de ne pas avoir la qualité pour agir contre l'enregistrement de la marque Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whisky. D'une part, selon la partie adverse, l'accord sous forme de lettre d'échange entre la communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant la reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses du 21 février 1994 ne permettrait pas à notre client d'agir au motif qu'il n'a pas d'effet direct dans l'ordre juridique de l'Union. Je réponds d'un mot. C'est vrai que cet accord nécessitait une transposition, mais ce que la partie adverse a malheureusement oublié, c'est que cette transposition a bien eu lieu par le règlement numéro 936-2009. Le tribunal constatera donc que la qualité pour agir de notre client ne peut être contestée et il écartera ce premier argument. D'autre part, selon la partie adverse, notre client n'aurait pas la capacité pour agir sur le fondement de l'article 8, paragraphe 6 du RMUE. Il est absurde de contester la capacité juridique d'une personne morale. Elle a forcément une capacité d'exercice et une capacité de jouissance. Elle doit simplement être représentée par une personne physique qui a le pouvoir d'agir en son nom et de mandater ses avocats ici présents. Parler d'incapacité pour notre client est alors l'assimiler à un mineur ou à une personne majeure placée sous un régime de protection, et c'est une erreur juridique difficilement pardonnable. Nos adversaires en sont restés au stade du doyen Duguy qui, vous vous en souvenez, n'a jamais déjeuné avec une personne morale. Contrairement à ce qu'avance la partie adverse, l'article 8.6 donne qualité pour agir en matière d'opposition à, je cite, « toute personne autorisée en vertu de la législation applicable à exercer les droits qui découlent d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ». Ici, rien n'interdit donc à The Distilled Spirits Council of the United States d'agir. De plus, si l'on se réfère à la jurisprudence européenne, des associations ou groupements comparables à notre client se sont vus reconnaître qualité pour agir devant les différentes instances européennes. Il en est ainsi de la Scotch Whisky Association, je vous renvoie à l'annexe 1 de nos conclusions. C'est une organisation commerciale qui représente l'industrie du whisky écossais et regroupe les plus grands producteurs de Scotch Whisky. Notre client dispose d'un statut comparable puisqu'il est le porte-parole et le défenseur des principaux producteurs et acheteurs de spiritueux distillés aux États-Unis, principalement le Bourbon Whisky et le Tennessee Whisky.
Manifestement conscients de l'inanité de leurs arguments procéduraux, nos adversaires tentent d'ajouter à leur thèse le fait que le bourbon whisky ne serait pas une indication géographique. Mon confrère et ami Evan Azouar va vous démontrer facilement le contraire. Madame la Présidente, Monsieur le membre du jury, la partie adverse constate que textuellement, whisky bourbon n'apparaît ni dans l'annexe 3 du règlement 110-2008, ni dans Ambrosia, et qu'aucune demande individuelle d'enregistrement n'avait été déposée par les États-Unis à la Commission. Ainsi, pour elle, whisky bourbon ne pourrait être une indication géographique au sens de l'article 15 du règlement. Alors oui, les États-Unis sont partis aux accords OMC et ATPIC, mais avant d'en tirer des conclusions trop hâtives, la partie adverse aurait dû s'intéresser à la philosophie des États-Unis concernant la protection des dénominations géographiques. Elles sont enregistrées dans des marques de fabrique, collectives, de certification, alors que les indications géographiques, elles, restent floues. Ne cherchez pas l'indication géographique Bourbon aux États-Unis. D'abord, il n'y a pas de répertoire, et ensuite, dans leur réglementation marque, elles ne sont pas considérées comme telles. Ensuite, ils arguent que le règlement 936-2009 ne permet pas l'enregistrement d'une indication géographique dans l'Union. La partie adverse se sert de la dénomination tequila, devenue en indication géographique suite à son enregistrement. Le tribunal ne considérera pas cet argument, s'agissant d'un simple enregistrement préventif, réactionnaire, qui découle de notre affront actuel et dont sa solution heureuse prouvera que cet enregistrement n'aura été que facultatif. Au lieu de rendre ce règlement totalement absurde, de le réduire qu'à une simple reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses, la partie adverse aurait dû s'intéresser aux effets et à la portée politique du règlement, qui a été pris dans cette chasse que mène l'Union européenne en annulation de certaines marques de fabrique, de commerce existantes dans des pays tiers, pour que les indications géographiques initiales récupèrent la propriété exclusive de leur nom. Je citerai le fromage feta à la saucisse portelle. Nous tenons à rappeler que ce dernier a aussi été pris par la commission chargée d'enregistrer les nouvelles indications géographiques et qu'il fut rendu au visa du règlement 110-2008. Mais surtout, qu'il instaure une réelle protection, un contrôle du whisky bourbon fabriqué conformément aux standards of identity des États-Unis. Ainsi, vous en conviendrez que dans la perception des indications au sens de l'article 15 du règlement, whisky bourbon est une indication géographique. Effectivement, il identifie une boisson spiritueuse, un type de whisky, qui originairement était cantonné au comté Bourbon, dans l'état du Kentucky, aux États-Unis, et qu'historiquement, le whisky bourbon doit sa réputation essentiellement à son origine géographique, le comté Bourbon, là où tout a commencé, par la richesse de ses plaines céréalières. La réputation est telle qu'aux États-Unis, malgré que le whisky bourbon soit devenu un produit distinctif à partir de 1964, le consommateur américain rattachera toujours le whisky bourbon à son comté d'origine, à son origine géographique, comme le français ou le chinois, depuis 2015, rattache le Bordeaux à la ville de Bordeaux. Nous parlons du consommateur américain, la partie adverse parler du consommateur moyen qui, dans l'arrêt Lloyd, est censé être normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, mais qui ne peut percevoir le riz basmati comme étant un produit de consommation courante renvoyant à son origine géographique. En 2016, deux arrêts, Botanic et Grant, considèrent les boissons alcoolisées comme des produits de grande consommation qui font normalement l'objet d'une grande distribution et qu'ainsi le consommateur de whisky faisant partie du grand public, normalement informé et raisonnablement attentif, doit faire preuve d'un niveau d'attention moyen. Mais aujourd'hui, parlons du consommateur moyen européen de 2020. Son attention a changé. Maintenant, c'est celui-ci qui s'informe sur tout ce qu'il mange, sur tout ce qu'il boit. Par exemple, pays nordique. Vous, au-delà du prix, vous faites désormais attention à sa composition, au titre alcométrique, sauf si vous appelez Sam, et à son conditionnement, et évidemment à son origine géographique. Il y a un changement radical dans la consommation actuelle, qui doit être prise en compte par l'Union dans ses décisions et dans sa réglementation. Il en bénéficiera pour toute partie et particulièrement pour la nôtre. C'est ainsi que le whisky bourbon doit bénéficier des mesures de l'article 24, paragraphe 1 du règlement 110-2008, prévu par le règlement 936-2009, permettant aux États-Unis d'autoriser The Distill Council of United States d'assurer le respect de toutes les dispositions du présent règlement, dont ses articles 23 et 16, notamment contre le risque d'évocation qui va ainsi être caractérisé aisément par ma consoeur Guillemette de Revienne.
Madame la Présidente, Monsieur le membre du jury, il s'agit ici d'être pragmatique et concis. En l'espèce, nous avons une indication géographique qui a été reconnue, Bourbon-Whisky, comme démontré par mon confrère, au sein de la marque. La présence de cette indication entraîne donc le régime prévu aux articles 23 et 16 du règlement. En effet, l'article 23 permet de refuser ou d'invalider l'enregistrement d'une marque qui comporte une indication géographique si l'une des situations prévues à l'article 16 est remplie. Plus particulièrement, la partie adverse conteste l'application de la situation visée au B de l'article, à savoir la caractérisation d'une évocation. La première question qui se pose est évidemment de savoir la définition de ce qu'est une évocation. La doctrine a affirmé que l'évocation se réfère à une simple connexion d'image ou de perception dans l'esprit du consommateur, mais c'est surtout la jurisprudence abondante de la CJUE et du tribunal de l'Union européenne qui considère que pour déterminer si une évocation est caractérisée, il faut se référer à la perception d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. De plus, la jurisprudence juge qu'il s'agit d'une évocation en cas de reproduction intégrale d'une des composantes d'une indication géographique au sein d'une marque. Force est de constater qu'en l'espèce, il ne s'agit pas non seulement d'une composante, mais bien de l'ensemble de l'indication géographique Bourbon Whisky qui a été repris au sein de la marque. Le tribunal ne pourra alors que constater la caractérisation de l'évocation, d'une part au regard du fait que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé associera directement la marque Lucky Lasso Sraige Bourbon Whisky à l'indication géographique Bourbon Whisky, et d'autre part, et surtout, la marque reproduit intégralement l'indication géographique en cause. Il existe toutefois une exception, et cette exception réside dans le fait que la marque forme dans son ensemble une unité logique et conceptuelle propre, c'est-à-dire que les éléments entourant l'indication sont de nature à écarter tout lien entre cette indication et la marque, par l'adjonction, par exemple, d'éléments figuratifs, ce qui n'est pas le cas en espèce. Alors, la seule manière de savoir si la marque Lucky Lasso Kentucky Stretch Bourbon Whisky forme une unité logique et conceptuelle propre est d'étudier l'indistinctivité des éléments entourant l'indication géographique. L'indistinctivité est en effet une condition primordiale à l'enregistrement d'une marque, car elle doit être propre à distinguer les produits et les services de ceux d'une autre entreprise. Il sera tenu compte à cet effet du risque de confusion pour le consommateur. Mais tout d'abord, je tiens à évincer l'application de l'article 7 du RMUE qui ne s'applique pas en l'espèce puisqu'on est dans le cadre d'une procédure d'opposition. Ainsi, ce sont l'article 8 et les motifs relatifs de refus qui s'appliquent. Le tribunal devra rejeter l'ensemble des arguments de la partie adverse concernant la distinctivité et qui se fondent sur cet article. La distinctivité de la marque se fera dans son ensemble et elle devra prendre en considération les éléments distinctifs et dominants de celle-ci. Et en l'espèce, l'élément dominant et non distinctif, c'est évidemment Bourbon Whisky, qui est l'indication géographique. On est conscient que la jurisprudence considère que le consommateur accordera plus d'importance au début de la marque qu'à la fin. Mais le tribunal ne pourra pas ignorer en l'espèce que ce n'est pas le cas, et ce pour plusieurs raisons. La première raison est que l'indication géographique est placée en position finale à la suite de quatre termes, Lucky, Lasso, Kentucky, Stretch, ce qui en fait une marque particulièrement longue. Le consommateur attachera alors moins d'importance au début de la phrase Lucky qu'à la fin. La dernière raison est que le Bourbon Whisky possède une autorité propre, que je ne rappellerai pas vu qu'elle a été faite par mon confrère Evan Azouar, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2018, environ 95% de tout le Bourbon est produit au Kentucky, selon la Kentucky Distillers Association. Ainsi, le terme Kentucky au sein de la marque ne peut pas être considéré comme distinctif. Alors, les éléments entourant l'indication géographique sont des éléments secondaires, à savoir le Lucky Lasso, qui n'est pas sans rappeler le terme du célèbre cowboy des États-Unis, Lucky Luke, qui a été vendu dans le monde à plus de 80 albums, 300 millions d'exemplaires et traduit en 20 langues. Et forcément, cela rappelle l'univers américain. Et cet univers américain qui est reproché par la Chambre des recours, c'est notamment la référence historique américaine. Et c'est cela qui dérange.
Enfin, l'adjectif stretch n'est pas de nature à contrebalancer l'absence de distinctivité, puisqu'il s'agit d'un adjectif qui traduit en français dit pur et qui est totalement descriptif au regard du produit vendu par la marque. Pour conclure, c'est au regard de l'ensemble des arguments qui viennent d'être exposés qu'il plaira au tribunal de confirmer la décision rendue par la Chambre des recours le 23 septembre 2019 et de condamner la société UAB Lodaré aux dépens de la procédure. Merci beaucoup. Est-ce que l'équipe de Reims souhaite apporter une réponse ? J'aimerais quand même vous entendre, puisque il y a une demande d'irrecevabilité qui a été soulevée. J'ai rien entendu sur cette question d'irrecevabilité. Donc, la partie qui fait l'objet de cette demande, il faudrait qu'elle dise quand même quelque chose. Notre whisky provient des États-Unis, puisqu'il n'est pas démontré qu'en l'espèce, il ne serait pas de cette origine. Des États-Unis, est-ce qu'on a plus de précision sur le... Nous n'avons pas plus de précision, puisque ce n'est pas des arguments qui ont été soulevés lors des précédentes phases. Nous en déduisons donc qu'il n'est pas contesté que notre bourbon ne provienne pas des États-Unis, et comme aucune preuve n'a été avancée dans le sens contraire, notre bourbon provient effectivement des États-Unis. Merci. Alors j'ai d'autres questions pour l'équipe de Bordeaux. Vous avez mis en avant la perception du consommateur européen. Est-ce que vous avez des éléments de preuve pour étayer vos affirmations ? Merci pour cette question. Actuellement, la jurisprudence européenne est dans un conflit où elle est censée prendre en compte le consommateur moyen européen. Consommateur moyen européen qui, d'ailleurs pour Bordeaux, c'est la jurisprudence actuelle, consommateur moyen européen doit considérer l'indication géographique. Le consommateur européen se rattache à une réputation qui est étroitement liée à la généricité, avec les arrêts de 92 tournant des Catalans. Aujourd'hui, le consommateur européen prend soin de l'origine, crée une réputation, et j'aimerais repréciser la question, s'il vous plaît. Avez-vous des éléments de preuve pour étayer vos affirmations ? Vous nous dites, si j'ai bien suivi, que le consommateur européen est peut-être plus attentif que précédemment, et il a véritablement connaissance de ce que signifie Bourbon, et pour le consommateur européen, Bourbon ne serait pas une indication générique. Alors, qu'est-ce qui vous porte à affirmer cela ? On parle du consommateur européen, on parle du consommateur américain, voilà, c'est maintenant que je vous rejoins, avec le point 28 de l'arrêt Touron Exporteur, qui dit comme quoi la réputation ne se limite pas à l'État membre, donc, en soi-disant, aux États-Unis. En France, il a été démontré par la partie adverse que le français, normalement averti, donc le français et l'européen, d'accord, le français se rattacherait à lui, à la famille des Bourbons. Soit. Le français ne s'intéresse pas forcément qu'à sa famille. Macron disait comme quoi on était des illettrés, mais non. Non. Le français se rattache à l'origine propre. Il fait le lien avec Bourbon en se rapprochant de l'état du Kentucky, francisé.
Et c'est à partir de là que le consommateur moyen français, qui fait partie de l'Union européenne, je ne réponds pas totalement à votre question parce que le sujet est en débat actuellement concernant le consommateur moyen européen. C'est pour ça qu'il y a une absence dans notre législation. Et alors, pourquoi évoquer la perception du consommateur américain? En quoi est-ce qu'elle est pertinente dans notre affaire? Pour éviter ce qui avait été démontré dans le mémoire, la fuite de l'indication géographique pour l'indication de provenance. Effectivement, si on se fixe qu'au consommateur américain, ça peut être considéré comme une indication de provenance. La réputation du whisky bourbon aux États-Unis en ferait une indication de provenance. Mais si on se fixe au consommateur moyen européen, à la réputation qu'a le bourbon whisky, parce que l'origine géographique est importante, alors on chasse l'indication de provenance et on légitime l'indication géographique. Je vous remercie. Vous pouvez rester là. Vos camarades aussi. Le bourbon, c'est fait comment? C'est quoi d'abord? Alors déjà, c'est un type de boisson spiritueuse qui a été importé par les Écossais. Donc, une recette qui considère, selon les standards of identity des États-Unis, qui est fabriquée à partir de 51% de malt d'orge, et du reste, malt de seigle, malt de blé, et qui doit être, si on veut mettre le descriptif straight, contenu dans un fût pendant 2 ans, un fût de bois américain, bois blanc américain. Donc la composition du bourbon, boisson spiritueux, c'est particulièrement du maïs à 51%. D'accord. Et ensuite, excusez-moi, d'ailleurs j'avais dit de l'orge, mais c'est du maïs à 51%. Vous avez parlé de la législation applicable, vous êtes resté relativement vague sur la législation applicable sur l'intérêt pour agir. Je comprends que, mais j'aimerais que vous me parliez plus précisément de cette législation. L'intérêt pour agir de notre association, enfin pas de notre association, mais de The Distilled Council of United States, se réfère à l'article 8, paragraphe 6. Non, là vous avez, c'est vous-même qui avez dit, la législation applicable selon la loi. Ah d'accord, du pays est relativement floue. La législation par rapport aux indications géographiques. Non, je vous parle vous, votre... Ma perception personnelle. Non, pas vous, pas oui. Personne, je vous parle, vous représentez ici une association. C'est ça. D'accord. Et donc, à partir de là, vous avez dit tout à fait à propos, selon l'article 8.6, on doit se référer à la législation applicable. Je veux simplement savoir quelle est cette législation applicable. C'est la législation qui autorise toute personne concernée à défendre un produit. Et comme il a été constaté par ma consoeur, que l'association The Distilled Council, je ne vais pas citer les détails, of United States, représente les producteurs et le porte-parole et le représentant des producteurs de whisky aux États-Unis, et ce qui en fait de là une capacité à agir et à défendre les intérêts des producteurs et des distillateurs. Vous savez que par une loi de 1963, le produit bourbon a été reconnu comme 64. Produit distinctif. 64. Donc essayez à partir de là de répondre, vous n'avez toujours pas, je n'en fais pas reproche parce que la réponse n'est pas évidente, à partir de cette loi, d'essayer d'arriver à faire la boucle jusqu'où aujourd'hui. Vous me dites votre association, on est porte-parole, etc. Mais moi, il me faut une loi, vous comprenez. Je dois me fonder sur une loi et dire, j'ai devant moi l'association qui, selon la loi américaine, qu'elle soit fédérale de l'État du Kentucky ou du Tennessee ou je ne sais où, est autorisé à me parler aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Le Schmidt-Libre commence en 1919 avec le Nation Prohibition Act et il continue jusqu'en 1964 évidemment avec l'élargissement du whisky bourbon à tous les États-Unis. Et précisément, dans la largeur et dans la grandeur de ce pays, il est compliqué à chaque personne produit du whisky, à chaque distillerie, de défendre individuellement ses intérêts.
La loi précise, je ne vais pas pouvoir vous la dire malheureusement, mais le lien est fait par rapport au fait que la grandeur du pays, les lois qui ont été prises de prohibition, d'extension, font qu'il fallait un représentant du Huron Whisky et du Tennessee Whisky aussi, par ailleurs. Et concernant la loi, je n'ai pas, mais la démonstration est faite par rapport à l'intérêt et à la défense. Est-ce que l'équipe de Reims pourrait venir collectivement? Vous venez d'entendre la réponse de votre... Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ne reprenez pas votre plaidoirie, mais vous avez entendu votre collègue qui fait état de certaines évolutions, etc. Juste sur cette petite question, qui est petite, mais qui est d'une importance relativement cardinale dans notre... Il faut choisir qui veut répondre. Il y a une personne qui répond. En ce qui concerne plus spécifiquement le consommateur moyen européen, bien sur la qualité pour agir. Sur la qualité pour agir. Alors, selon nous, la législation applicable pour leur donner la qualité à agir, on se réfère donc à l'article 8, paragraphe 6 de la Convention de l'Union européenne. Cet article renvoie la législation nationale ou de l'Union européenne en cause. En l'espèce, la législation nationale enverrait donc pour eux la législation américaine, et plus particulièrement au statut de l'association The Distilled Spirit Council. Et également en application de l'article 72 du règlement sur la marque de l'Union européenne qui leur permet de contester éventuellement une décision de la Chambre des recours. Donc c'est selon les statuts de l'association leur permet à cette qualité d'agir d'un point de vue juridique devant les tribunaux qui peuvent le faire, sinon ils ne pourront pas le faire. Certes, et alors, on est aujourd'hui, il faut la trancher. Vous pouvez prendre 15 secondes, vous pouvez réfléchir. Au regard de l'article que j'ai dû soulever précédemment, l'article 172 du règlement de procédure du tribunal, les parties doivent... la requête est formée contre l'office auquel appartient la chambre de recours qui a adopté la décision attaquée en qualité de défendeur. C'est-à-dire que le défendeur doit obligatoirement être l'office. En ce qui nous concerne, ici, la partie adverse représente le Justice Spirit Council et pas l'office, donc ils ne peuvent pas agir. D'accord. Très bien. Merci beaucoup aux deux équipes. Je vous invite à quitter la salle peut-être, autant que nous délibérions. Merci.